Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Alexandre Cordani pour un nouvel épisode de Secrets de Pige avec, je dois dire aujourd'hui, le recordman des émissions de Secrets de Pige, à part moi, bien évidemment. C'est Jonathan Vogt qui a à chaque fois, fait de très très belles émissions parce que ben, il a beaucoup de valeur à apporter au conseiller immobilier et j'adore son franc-parler. C'est vrai que John est quelqu'un qui ben, ne se cache pas, qui est authentique. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'adore parce que je suis aussi authentique. Et oui, il faut me prendre comme je suis, sinon, ben, ce n'est pas la peine. Et avec John, ben, on fait une petite équipe sympa. En tout cas, je crois qu'il y a 4 ou 5 secrets de pige avec lui. Donc, vous pourrez les regarder directement. Je vous donnerai le lien directement sous la vidéo. En tout cas, je suis heureux de le recevoir une nouvelle fois dans cette belle émission qui aujourd'hui porte bien son nom et qui s'appelle Secrets de Pige. Je vous retrouve tout de suite après le générique avec John. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me. Cause I run it, I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise. Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest. But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you. Salut tout le monde. Salut. Comment vas-tu, John? Ça va et toi? La fin. Ouais, donc j'ai pas dit, hein, t'es... responsable formation au sein du réseau Expert Imo. Et c'est vrai qu'à chaque fois, tu donnes beaucoup, beaucoup de valeur. Là, on voit Merci. qu'effectivement, tu n'as plus beaucoup de cheveux sur le crâne. Ouais. Donc, ne prends pas froid. Enfin, tu ressors du Covid en plus. Oui, d'ailleurs, on devait faire l'émission la semaine dernière. C'est ça, exactement. Ouais. J'étais pas vraiment en état. Ouais, bah, j'imagine, ouais, j'imagine. Donc, bah, je te remercie d'être présent ce midi. Et en fait, lorsque tu m'as demandé, enfin, lorsque tu m'as donné ce thème, j'ai dit, effectivement, ça peut être un thème intéressant, les 7 erreurs qui tuent votre business en tant que conseiller immobilier. C'est vrai que, bah, entre toi et moi, on a une paire d'années quand même d'expérience, hein, plus que moi j'ai 20 ans d'expérience dans l'immobilier, toi tu en as pas loin de 10. Voilà, donc ça fait 30 années à nous deux et c'est vrai qu'on a fait quelques erreurs, mais il faut pas le nier, on fait toujours des erreurs, on essaye d'en faire le moins possible, mais c'est vrai que quand on a des gens qui peuvent nous dire qu'il faut éviter de faire ces erreurs-là. C'est vrai que c'est quand même très, très intéressant et je te remercie énormément. Bah, avec plaisir, c'est vrai que ça permet de gagner du temps en fait sur sa formation, sur son démarrage surtout. Voilà. Et puis même en tant qu'expérimenté, même au bout de pas loin de 10 ans, j'en faisais encore, toi certainement aussi au bout de 25 ans. Toujours. Même au bout de 30 ans, on peut encore en faire. Et on en Toujours. fait tant le métier est riche et diversifié et complexe. Alors, faire des erreurs, c'est souvent pas très grave dans notre activité parce qu'il n'y a jamais finalement de degré d'urgence dans le métier. Donc il y a toujours moyen de rectifier le tir. Ce qui est plus grave, c'est de ne pas se remettre en question et finalement de s'enliser et de recommettre toujours les mêmes. Puisque c'est vrai qu'en tant qu'indépendant, il y a la partie technique du métier, mais il y a aussi tout l'aspect entrepreneurial et esprit et chef d'entreprise. Puisque le mandataire immobilier est un chef d'entreprise, je le répéterai jamais assez, et beaucoup sont encore finalement dans une situation un peu dans leur tête de salarié, même chez les expérimentés d'ailleurs. Du coup, ça met un gros frein, comme on va le voir un peu plus tard, au chiffre d'affaires, en fait. Exactement, exactement. Et comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, les erreurs sont faites aussi pour apprendre. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait une erreur, ce qui est bien, c'est de s'auto-évaluer, de contrôler, de voir un petit peu où on a péché par rapport à une conversation, par rapport à une stratégie de mise en vente. Et derrière,
justement de s'apercevoir de cette erreur. Et bon, lorsqu'on a un mentor, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Ça permet d'aller plus vite. Ça permet Exactement. Pardon. Donc effectivement, avec toutes les heures de coaching que j'ai pu faire ces dernières années, j'ai recensé, à mon sens, les 7 erreurs que je trouve les plus graves. Alors, c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi, mais j'ai pu constater qu'en ayant coaché pas mal de personnes sur ces thématiques-là, finalement, une fois qu'elles arrivaient à les rectifier, comme par hasard, le chiffre d'affaires s'envolait. Donc, c'est pas pour rien que j'ai fait le choix d'en choisir 7. Évidemment, il y en a incroyablement plus. J'en ai fait incroyablement plus également. Mais quand même, quand on va parler de celles-ci, le fait de ne pas les faire, ça va vraiment permettre quand même de booster son chiffre d'affaires. Et ce sont des notions assez générales tout de même. Voilà. La première, elle concerne surtout les débutants, en fait. Voilà. Pourquoi ? Parce que déjà, de par mon poste, j'ai beaucoup d'agents aussi au téléphone qui veulent se lancer. Et très souvent, en fait, je constate un manque de préparation, en fait, pour devenir mandataire immobilier. En fait, je constate un manque de préparation parce que, ça tu le vois aussi bien que moi, je parle lentement parce que je suis encore essoufflé. Beaucoup de personnes, en fait, vont avoir tendance à se lancer sans réfléchir, vont démissionner sans réfléchir, vont pas faire le point sur leur situation financière, ne pas comprendre encore que le mandataire est un vrai chef d'entreprise, et du coup, vont se lancer et arrêter au bout de quelques mois, voire semaines. Et dans notre secteur, vu que le métier n'est pas réglementé, il y a rien aujourd'hui, demain, n'importe qui peut signer un contrat dans un réseau, dans une agence, bon, sauf évidemment s'il y a un casier, etc., mais bon, dans la majorité, tout le monde peut. Du coup, forcément, beaucoup d'enseignes véhiculent une image comme quoi c'est facile de faire de l'immobilier, vous allez vous gaver. Sauf que c'est pas du tout la réalité, c'est un métier difficile, complexe, où il faut systématiquement se renouveler sur la partie technique, mais également sur la partie développement personnel, ce qui fait que beaucoup de personnes se lancent et arrêtent, tout simplement, et perdent du temps et de l'argent. Donc la première question, c'est la préparation. Préparation en termes d'objectifs, préparation en termes de finalement aussi de d'enseigne avec qui on veut travailler, et ça, j'ai envie de dire que ça rejoint les valeurs que l'on peut partager, puisque si vous allez par exemple sur un comparateur, vous allez avoir plus de 100 ou 120 réseaux immobiliers. Comment faire le choix, finalement. Que ça soit pour un débutant ou un expérimenté d'ailleurs. Quelqu'un qui se retrouve dans une situation qui ne lui convient plus, elle peut aller sur un comparateur et aller comparer. Les comparateurs sont là pour ça. Sauf que chaque réseau va avoir une offre à proposer. Voilà. Vous allez avoir du MLM, vous allez avoir nous par exemple qui on recrute que des expérimentés parce qu'on est très sur l'entrepreneuriat. Vous allez voir, voilà, pas mal de choses. Donc, ça va demander pas mal de comparaisons et ça va surtout demander d'être honnête avec soi-même et surtout essayer de ne pas se tromper parce que si on se trompe, moi j'ai des personnes au téléphone, je peux te dire, ils en sont à 5 ou 6 réseaux parce qu'ils se retrouvent pas dans leur valeur. Donc, c'est aussi une préparation à ce niveau-là. Bien prendre le temps de choisir le mandant avec qui on veut travailler en fonction de ses propres valeurs, en fonction de ses objectifs, parce que sinon, encore une fois, on risque de perdre du temps. Et un mandataire qui n'est pas bien avec son mandant, très souvent, c'est un mandataire qui ne sera pas bien aussi en rendez-vous vendeur, puisqu'il est entre les deux, entre le mandant entre les deux mandants, on va dire, pour caricaturer. Du coup, ça sera un frein à sa carrière, effectivement, si il se prépare pas dans son démarrage d'activité ou éventuellement son changement. Voilà. Ça, pour moi, c'est super important. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi à ce niveau-là. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'autre jour, j'ai reçu un SMS d'un réseau. Alors, je m'en rappelle même plus du nom. Mais en fait, le réseau tout de suite m'a parlé de ses conditions financières. Moi, j'ai vraiment l'intime conviction de penser que les réseaux devraient recruter de la même façon que nous recrutons nos vendeurs. C'est-à-dire qu'il faut déjà s'intéresser à la personne
avant de lui proposer quoi que ce soit. Parce que tu peux être attiré par un pourcentage qui te fait rêver, mais tu peux aussi être attiré plus par un accompagnement, formation. Tu peux être plus attiré par des valeurs intrinsèques au niveau du réseau. Tu peux être attiré sur énormément de choses. Et en fait, à partir du moment où on ne s'intéresse pas à la personne et à ses problématiques surtout qu'on a devant nous, ça ne sert strictement à rien. Tu sais, c'est comme si effectivement, alors bien sûr qu'ils arrivent à pêcher à un moment donné, ils arrivent à récupérer mais le problème, c'est que comme ils ne sont pas réellement intéressés à eux au départ, ben, ces personnes ne restent pas longtemps dans les réseaux. Donc moi, j'ai envie de vous dire, la première des choses, si jamais vous êtes dans le recrutement, c'est de vous intéresser aux personnes que vous tentez de recruter. Invitez-les sur les réseaux sociaux, likez leur publication, commentez leur publication, partagez leur publication et vous verrez qu'ils s'intéresseront à vous d'une manière autre. D'où le fameux phénomène de réciprocité, on en parle à chaque fois. Hein. Quand on donne, on reçoit. Exactement, c'est ça. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, la préparation, c'est super important pour en revenir à ça. Et c'est vraiment faire le point sur soi-même, savoir où est-ce qu'on en est, quelles sont les valeurs avec lesquelles on veut travailler. Et puis après, on peut passer à la suite. Ça, super. C'était important pour moi. Ensuite, une deuxième erreur que je constate souvent également, alors là, on va rentrer dans la technicité, c'est au niveau du secteur. Énormément de personnes, alors débutants, j'en parle même pas, mais alors les expérimentés, c'est pareil, énormément de personnes vont travailler sur un secteur trop vaste, en fait. D'ailleurs, quand tu poses la question aux agents, tu leur dis, tiens, bah, ta zone de chalandise, c'est quoi ? Ils ne savent pas répondre, en fait, parce qu'ils ne savent pas où aller chercher du mandat, ils ne savent pas sur comment quadriller son secteur, ils ne savent pas comment quadriller la prospection. Donc, ce qui fait qu'en gros, ils vont travailler parfois sur une zone de chalandise d'environ 50 bornes, et en fait, ils s'épuisent sur le terrain. Alors, énormément de débutants arrêtent à cause de ça, mais beaucoup d'expérimentés n'optimisent pas leur chiffre d'affaires, justement parce qu'ils sont beaucoup trop éparpillés, en réalité. Je peux faire un petit schéma. Je ne sais pas si je peux partager mon écran avec le logiciel. Si, tu peux. Tu as un bouton partager ? Ouais, je le vois. Attends, je vais mettre Paint. Parce que là, avec un petit schéma, on comprendra tout de suite là où je vais en venir. Ça sera beaucoup plus illustré. Alors, partager. Partager l'écran. OK. Partager l'écran. OK. Donc, voilà. Donc, là, normalement, vous devriez voir Paint. Alors, c'est le temps que ça rame un peu, certainement, parce que vu que je suis à la campagne. Est-ce que tu vois Paint, là ? Là, je vois Paint, mais je vois un écran blanc. Là, je viens de faire un rond. Est-ce que tu le vois ? Ouais, très bien. Parfait. Donc, le secteur. Pourquoi c'est dangereux, très dangereux même, de travailler sur un secteur trop vaste, finalement, et de ne pas cibler sa zone de chalandise ? Alors, admettons, bon, en tant que mandataire, c'est exactement la même chose pour une agence. Hein. Agence où le domicile du mandataire, le voici. Donc, très souvent, moi, je vois une personne. Donc, on va dire qu'ici, il y a un rayon de 25 km, ce qui fait 50, hein, en un diamètre de 50 bornes. Voilà, on va mettre 50 km. Bah, si la personne, par exemple, elle prend un mandat ici, un autre ici, 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 voilà. Allez, on va faire un exemple avec 5 mandats. Sachant qu'en plus, ce mandat ici, le marché ne sera pas forcément... D'ailleurs, il y a peu de chances pour que le marché soit le même ici, puisque déjà ici, entre les deux points, on va dire entre les deux extrêmes, il y a 50 bornes. Bien sûr. Bon, qu'est-ce qui va se passer ? Le matin, je vais aller chercher un mandat là. OK. L'après-midi, je vais aller peut-être aller en chercher un autre. Et puis... Tiens, installe-la. Le soir, j'ai une signature chez le notaire ici. Voilà. Dans la journée, j'ai fait peut-être 150 bornes, voire plus. Donc déjà, j'ai perdu peut-être 2 heures de temps sur la route. Donc déjà, grosse perte de temps en termes de temps. Quoi. Ensuite,
Ça, c'est le premier problème, de travailler avec un secteur trop vaste. Le deuxième, c'est que, on le sait, tu le sais aussi bien que moi, pour pouvoir être efficace en immobilier, on dit toujours qu'il faut des comparables. Il faut travailler sur un secteur restreint pour avoir des comparables. Pourquoi? Parce que quand un acheteur, ben, il nous appelle pour un bien, déjà, c'est rare quand il achète le bien pour lequel il est appelé. Et du coup, nous, il faut lui montrer des biens, une fois qu'on a fait la découverte acquéreur, plus susceptibles de lui convenir, et surtout pour qu'il puisse se comparer. Donc le problème, c'est que si je rentre un bien ici, et que du coup, j'ai pas de comparable. Bon, déjà, qu'est-ce que je vais faire de plus en termes d'annonce, en termes d'affichage que le particulier? Sachant que le particulier n'aura pas de comparable lui non plus. Mais c'est surtout que, ben, une fois que j'ai visité ce bien, s'il ne me correspond pas, j'ai plus rien à proposer en fait. Et ce qui fait que si un confrère a le même bien dans le cadre d'un mandat simple, mais que ce confrère a par exemple deux autres comparables, voire trois ou quatre, on ne sait pas, ça dépend des marchés, bah du coup, il augmente considérablement les chances de vendre parce que bah, le confrère, peut-être qu'il va avoir un appel pour ce bien-là et qu'il va vendre celui-là, dans l'exemple qui nous intéresse. Donc le fait de travailler sur un secteur restreint déjà est plus adapté, on va dire, ça nous permet d'augmenter nos comparables et d'augmenter considérablement les chances d'avoir une offre. Ça, c'est sûr. Et puis c'est pareil, pendant que tu es en train de travailler sur ce bien-là, pendant tes autres biens, bah, c'est exactement le même problème. Tes autres biens, ils sont là, ils n'ont pas de comparable, ce qui fait que si tu as un confrère plus proche avec d'autres comparables, c'est pareil. Il augmentera ses chances de vendre. D'où l'importance de travailler sur un secteur restreint, efficace. Alors en prospection, c'est pareil. En prospection, c'est impossible de travailler de manière correcte sur une zone de chalandise aussi vaste. Puisqu'en prospection, on le sait, il faut être vu, connu, reconnu et incontournable. Il faut créer une habitude. Il faut passer au moins 3-4 fois par an au même domicile. Et sur un secteur trop vaste, ça ne sera pas possible. Donc la prospection ne sera pas non plus efficace. Et ça, c'est une erreur que je vois très fréquemment, le secteur. Parce que les débutants, la plupart, mais même au bout de quelques années, pour ceux qui arrivent quand même à faire ce là, mais ils n'ont pas pris le temps de réfléchir à une zone de chalandise en fait optimisée. En fait, ils n'ont pas fait d'études. Ils se lancent. On est encore dans la préparation aussi. Hein. Ils se lancent et ils se disent, allez, je vais faire de l'immobilier. Sauf qu'ils n'ont pas fait d'études de marché. Ils ne savent absolument pas qui sont leurs concurrents autour d'eux. Donc, ils vont rentrer du mandat à droite et à gauche, sans cohérence, sans stratégie. Ce qui fait que du coup, bah, on est vraiment sur une perte de temps et d'argent sèche. Alors, il y en a qui vont quand même faire un chiffre, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera pas optimisé. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, on n'est pas là pour faire des chiffres, on est là pour exploser son chiffre. Voilà sur le secteur. C'est un très bon conseil, John, que tu nous as donné là. C'est vrai que la plupart du temps, les conseillers, ils vont un petit peu à la fleur au fusil. Ce qui se passe, c'est que la pige téléphonique est difficile. Donc, forcément, ben, on prend ce qu'on peut prendre. Par contre, la stratégie, d'avoir déjà un appartement, qui est à vendre, par exemple, une maison avec trois chambres dans un secteur particulier. Si vous avez à ce moment-là une autre maison qui apparaît dans le bon coin avec trois chambres dans un secteur particulier, ça veut dire que vous avez déjà des clients en fichier qui concernent cette maison. Et donc à ce moment-là, il est bien plus facile de récupérer une visite si la personne est complètement hermétique aux agences immobilières. Alors que si jamais effectivement vous ne travaillez que sur du one shot, et ben vous n'aurez jamais un client à leur apporter. Ce qui fait que derrière, bah, votre pitch téléphonique va vite devenir compliqué. Ouais, c'est ça, le one shot, c'est pas. Le one shot, c'est de temps en temps, avec un mandat de recherche de temps en temps, effectivement, ou sur. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est extrême. Toute la France est super tendue en ce moment, mais encore plus dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, dans les grandes villes. Du coup, effectivement, on peut augmenter un peu le ratio de one shot, parce qu'on le sait, en plus, on en discutait juste avant l'émission. Voilà, à Paris, si tu as quatre mandats, tu es content, quoi, tu vois. C'est ça, exactement. Mais même comme ça, le mandat, sauf si vraiment on veut se spécialiser et être chasseur de biens, pourquoi pas. Mais après, c'est pas ça qui fait, pour moi, c'est pas ça qui fait vivre le mandataire. Ce qui fait vivre le mandataire, c'est le mandat de vente. C'est mon avis. Mais effectivement, dans certains cas, on est obligé de s'adapter.
Exactement. Après, tout dépend des marchés, c'est toujours pareil. Les erreurs ne correspondent pas forcément à tout le monde puisque les marchés sont un peu différents en France. Soit on est en agglomération, soit on est à la campagne. Forcément, si on est dans une grande ville telle que Lyon ou Paris, ça va être plus difficile, ça va être plus compliqué. Déjà, on ne va pas faire des 25 et des 50 km parce que sinon, c'est vite compliqué à Paris. Mais par contre, on peut avoir d'autres soucis. Merci pour cette deuxième erreur, ce deuxième conseil. On va passer au troisième. Ouais, avec plaisir, je suis pressé. La troisième erreur, là, on va rentrer dans le mandat. Bah, c'est de vouloir faire un mandat à tout prix. Voilà. Alors, on en est tous passés par là. Qu'est-ce que c'est chiant d'arriver chez le vendeur, de faire un rendez-vous et finalement de ne pas faire le mandat. C'est super chiant parce qu'on croit qu'on perd du temps, ce qui est vrai d'ailleurs. Enfin, pas forcément, mais dans la majorité des cas, oui, on va chez le vendeur, on reste 2 heures en rendez-vous vendeur, on part sans mandat. C'est dur, c'est très dur. Mais c'est en quelque sorte, parfois, voire souvent d'ailleurs, c'est dans certains cas, nécessaire. Parce que c'est un peu comme si tu stoppais l'hémorragie, parce que si tu fais le mandat, tu perdras encore plus de temps et encore plus d'argent. Il ne faut pas vouloir faire un mandat à tout prix. Quand on part, tu sais, c'est comme quand je faisais les coachings sur la pige. La pige, c'est pour avoir un rendez-vous. Le rendez-vous vendeur, c'est pour avoir un mandat. Mais dans la tête, on y va effectivement pour faire un mandat si toutes les conditions sont réunies pour avoir un projet de qualité. Combien de personnes font des mandats sachant très bien qu'ils ne les vendront pas ? Parce qu'ils sont soit hors de prix, parce qu'il n'y a pas de projet, parce qu'on quémande, parce que je ne sais quelle autre raison. Et finalement, on se retrouve avec un portefeuille de mauvaise qualité parce qu'on veut faire des mandats. Alors ce conseil, c'est plus pour les expérimentés. Parce que quand on est débutant, quelqu'un qui débute, j'ai le discours inverse. Quelqu'un qui débute, moi, je lui conseille de rentrer n'importe quoi, tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, il faut le rentrer, mais c'est à des fins de formation. C'est pour comprendre son marché, c'est pour se faire la main, c'est pour apprendre pendant quelques mois, effectivement. Mais après, une fois qu'on connaît son marché, qu'on sait faire, je ne peux pas conseiller ça. Parce qu'encore une fois, c'est une énorme perte de temps et d'argent. En plus, on se met dans une position de subordination. Il y a ce que j'appelle, entre guillemets, un rendez-vous vendeur qui est très important, c'est avoir le contrôle sur le rendez-vous et avoir un cadre, avoir une forme de cadre, on va dire, d'autorité. C'est-à-dire qu'il est vrai que le vendeur a le choix de travailler avec nous ou pas, mais ce que beaucoup oublient, c'est que nous aussi, on a le choix. Et nous aussi, on a tout à fait le droit de refuser de travailler avec un vendeur, pour X raisons. Alors, sauf on ne parle pas de discrimination, bien sûr. Et ça, c'est très important de l'avoir toujours en tête. Déjà, un, beaucoup moins de pression au rendez-vous. Deux, quand on fuit, tu es encore dans la psychologie. Quand on fait d'anti-vente et qu'on fuit un petit peu, finalement, le vendeur, c'est lui qui va venir en chercher. Parce que déjà, il n'aura pas l'habitude. Et puis déjà, on inverse un petit peu les rôles. Donc, pourquoi il ne faut pas faire un mandat à tout prix ? Ben, on va éliminer tous les projets, entre guillemets, auxquels on ne croit pas, en fait. On n'est pas là pour faire des mandats, pour faire du mandat, puisque ce n'est pas ça qui nous fait manger. Ce qui nous fait manger, c'est de vendre. Et à quoi ça sert de rentrer un mandat si on sait ou si le projet est de mauvaise qualité. Un vendeur, vous savez pertinemment que le bien est 15% trop cher, qu'il vous dit que s'il ne vend pas, il met en location, bah moi, le rendez-vous, il dure un quart d'heure, hein. C'est sûr, parce que je sais que je vais perdre mon temps. Donc, et qu'est-ce qui va se passer si on va rentrer le mandat dans 95% des cas? Je laisse 5% pour la chance, parce que parfois, ça arrive. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un mandat, ça va durer 3, 4, 5 mois. Le vendeur, éventuellement, on va lui faire faire une baisse de prix. Deux, très souvent, ça ne sera pas suffisant parce que les baisses seront poussives, elles ne seront pas franches et pertinentes. Et le vendeur, il va tout simplement nous virer et mandater quelqu'un d'autre. Voire quelqu'un d'autre au prix où on l'avait dit au début. Ça arrive souvent en exclu. Donc, c'est beaucoup plus pertinent de refuser de faire le mandat si on ne croit pas au projet plutôt que de le faire et finalement de se retrouver à accepter un mandat sous n'importe quelle condition, parce que pour moi, finalement, c'est comme si le mandataire ne se respectait pas
ça c'est mon avis personnel, puisqu'il accepte n'importe quelle condition. Donc finalement, le vendeur, c'est lui qui a le contrôle, le vendeur fera ce qu'il veut, et le mandataire ne travaillera pas dans de bonnes conditions, il va perdre du temps et de l'argent. Donc encore une fois, on n'optimise pas son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est super important, c'est une erreur très courante aussi. Je l'ai faite aussi, je l'ai faite des milliers de fois aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est sûr que quand on est débutant, comme tu l'as dit, il faut tout prendre parce qu'on est débutant et parce que, bah, de toute façon, il faut du flux et le flux motive en quelque sorte, bien évidemment. Après, il faut faire attention effectivement à poser les bonnes questions pour savoir exactement si la personne elle est motivée. Si à un moment donné elle va être obligée de vendre, parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui veulent très cher, j'y crois pas, mais par contre ils n'ont aucun autre moyen aujourd'hui que de vendre. Donc ces gens là à un moment donné, si on prend pas le bien, on va louper l'affaire, parce que l'affaire elle risque d'arriver au bout d'un mois, au bout de deux mois, au bout de trois mois. Alors c'est sûr que ça reste délicat, mais je pense que la clé elle est dans l'écoute active de la personne. Et à partir du moment où on va écouter activement la personne, c'est soit effectivement, c'est écoutez-moi de toute façon, je vous dis franchement, je veux profiter d'un marché. On m'a dit que les biens se vendaient entre 1 million et 1 million 2. Si je vends 1 million 2, 1 million 3 pour moi, je lâche la maison. Sinon, ce n'est pas la peine. Quand vous avez des gens qui vous parlent comme ça, ce n'est pas la peine d'y aller. Parce que vous savez que de toute façon, déjà, ils ne sont pas au prix. Et d'autre part, ils ne sont pas motivés, c'est-à-dire qu'ils veulent profiter d'un marché. Par contre, la personne qui vous dit « je suis souffrant, je suis malade, je dois acheter un appartement parce que j'ai mal aux jambes », forcément, ces personnes-là seront beaucoup plus vendeuses à un moment donné, même si au départ, ils veulent un prix qui est assez élevé parce que c'est naturel hein, d'en vouloir toujours plus. Et souvent, si vous êtes le seul à estimer un prix à moins 10 ou moins 15% par rapport au prix qu'elle en souhaite et que vous avez d'autres agences qui surestiment le bien, forcément, naturellement, ils vont aller vers ceux qui surestiment le bien. Maintenant, vous savez pertinemment que si jamais vous travaillez correctement et que si vous faites un bon suivi derrière, la personne n'a aucun autre moyen que de vous suivre à un moment donné. Donc, clairement, je pense que c'est au-delà en fait du « j'y crois ou j'y crois pas », c'est « j'analyse réellement ce que les clients ont dans la tête et dans l'esprit et dans le reste, et à ce moment-là, je prends ma décision ». Voilà comment c'est je… C'est ça, on en revient aux fondamentaux. C'est le projet du vendeur en fait, parce que c'est ça qui détermine tout. Exactement, c'est ça. Le projet du vendeur. Quelqu'un qui a pas de projet et qui vous dit que c'est trop cher et que je mets en location dans 3 mois ou 4 mois si c'est pas vendu, effectivement, alors là, c'est vraiment simple, ça c'est sûr. Par contre, effectivement, si on est un peu au-dessus du prix mais qu'il y a un vrai projet derrière et encore une fois qu'il y a une vraie problématique, et après ça sera à nous justement de travailler sur cette problématique pour faire mûrir le vendeur et faire aboutir son projet. Là, effectivement, si c'est un peu au-dessus du prix, je vais faire mon. Par contre, si c'est 200 000 euros, parce que des fois, j'envoie des trucs, si c'est carrément hors de prix et que la personne ne va pas entendre raison, je ne le ferai pas quand même. Mais après, voilà, c'est au cas par cas, encore une fois, ça demande de s'adapter. Mais voilà, en gros, pas faire de mandat pour rien, parce que c'est une perte de temps. Je peux juste donner une petite astuce pour les gens qui nous regardent. Si jamais un jour, vous voulez faire valider un prix à des clients, vous pouvez sortir des biens qui sont vendus, qui ont été vendus dans votre secteur. Donc, vous sortez des photos. Vous sortez 3 biens, 3 photos différentes des biens avec 3 descriptifs différents. Et vous demandez aux personnes, aux vendeurs, vous leur dites, ces biens se sont vendus. Ils ont telle caractéristique qui correspond exactement à votre maison. D'après vous, à quel prix ces biens se sont vendus ? Et là, les personnes vont forcément surévaluer le bien parce qu'ils ont dans la tête une surévaluation. Et là, vous allez leur sortir le vrai prix. Et je peux vous garantir que psychologiquement, la personne, quand vous allez lui sortir le vrai prix et qui correspond à peu près à son bien, il va changer d'avis.
Ouais, bah ça c'est très bon, hein. Effectivement, quand on fait quand on fait l'avis de valeur en R2, par exemple, pour venir avec des comparables ou en rendez-vous de renégociation, avoir des comparables, c'est très fort, effectivement. Et on peut s'aider aussi du certificat de parution de se loger, qui est très intéressant. J'ai fait d'innombrables baisses de prix avec le certificat de parution, parce que c'est vraiment le reflet du marché. Et l'être humain, il est comme ça. Les arguments sont toujours beaucoup plus forts quand ça vient de quelqu'un d'autre que quand ça vient de nous-mêmes. Donc, du coup, ce sont des bons outils, ouais, effectivement. Super. Donc ça, on était à la troisième, c'est ça ? Ouais. Ben, la quatrième est étroitement liée. Ah. Mais elle est tellement grave pour moi que je la rappelle quand même. J'en ai fait une erreur. Justement, tu l'as dit, hein, c'est de surestimer le bien, en fait. Et ça, c'est une erreur qui m'énerve. Parce que je l'ai vu, je l'ai constaté énormément de fois sur le terrain. Et j'en discutais avec mon ancienne collègue la dernière fois aussi. C'est d'un ridicule. Des personnes qui vont faire des mandats à des prix, mais totalement indécent, et qui pensent, alors certains ne le font par erreur, mais certains le savent très bien que ça ne marchera pas, et ils vont tout simplement faire un mandat. J'ai une bêtise, j'ai encore vu un cas là, genre 70 000 euros au-dessus du prix, mais aucune chance d'avoir le moindre contact, et la personne va quand même faire un mandat, en fait. Mais ça, il faut arrêter, parce que ça véhicule une image pourrie de la profession, ça ne rend pas service aux vendeurs, ça ne vous rend pas service, et vous perdez votre temps et votre argent. Alors, on n'est pas dans un peu au-dessus du prix, 10, allez, 15%, on est dans des 40%, on est dans 25%, entre 25 et 40%, et c'est pas rare. C'est pas rare. J'en vois sur le marché, surtout en ce moment, que moi j'ai vendu ma baraque, je suis en train d'en chercher une autre, je vois des trucs, mais c'est... Alors certes, En ruralité, en plus, certes, il n'y a pas beaucoup d'offres en ce moment, donc ça fait inévitablement monter les prix, c'est la loi de l'offre et la demande. Mais il faut rester au bout d'un moment cohérent avec son marché et cohérent avec soi-même. Pourquoi faire un mandat à un prix ? Vous obtiendrez beaucoup plus de résultats à refuser un mandat dans ces conditions. C'est le vendeur qui viendra vous chercher. Faire un mandat hors de prix, c'est une perte sèche de temps et d'argent, et vous respectez pour moi presque pas le vendeur et pas votre travail, parce que qu'est-ce que vous allez faire au bout de... Alors en plus, ça va engendrer une autre erreur qu'on va voir plus tard. Et le vendeur, il va vous dire dans 3-4 mois, on va mandater quelqu'un d'autre, on va se débrouiller par nous-mêmes, et c'est comme ça que tu les retrouves, les biens sur la pige, parce que 80% des biens qui sont sur la pige, ils sont déjà en agence. Et pourquoi ils sont arrivés sur la pige? Parce que ça fait minimum 4 mois qu'ils n'ont pas vendu, parce que tout, alors dans la majorité des cas, il n'y a pas que ça, mais ça reste quand même une majorité, c'est trop cher. Et pourquoi c'est trop cher? Parce que le professionnel n'a pas fait son travail. Pour moi, ça, c'est une faute professionnelle. D'accepter un mandat à un prix indécent, c'est une faute professionnelle, parce que le vendeur ne vendra pas. Et si le vendeur, c'est lui qui veut, c'est au professionnel de refuser. Et si c'est le professionnel qui a mal estimé le bien, c'est lui qui s'est trompé. Dans les deux cas, le résultat sera le même, ça ne marchera pas. Donc ça, il faut arrêter aussi. C'est une grosse erreur que je vois très souvent, surestimer un bien en disant, surtout en réalité, parce qu'il y a des disparités quand même entre la ville et la réalité, mais même, moi je vois des biens à Bordeaux qui ne se vendent pas, et à Bordeaux, tu vois, pourtant c'est hyper tendu. Et c'est pareil, c'est la même loi. C'est la loi de l'offre et la demande, et le prix, c'est aussi ça qui fait le marché. Et si, même à Bordeaux, si on publie un bien 200 000 euros trop cher, il ne partira pas. Donc, c'est notre devoir de refuser un mandat pour se respecter et véhiculer une image propre du métier, que d'accepter les conditions et de se mettre en position de subordination, en fait. Voilà. Et alors, oui, ça, là, il y a une remarque très juste que je vois dans le chat. Ça, je le vois, effectivement, c'est tout à fait ça. On gonfle notre portefeuille avec des biens surévalués. C'est une perte d'argent, parce que dans la majorité des cas, le vendeur, au bout de 4 mois, il mettra sa baraque sur le bon coin moins cher, et on ne travaille pas dans de bonnes conditions. Ça, c'est sûr. C'est un peu le travail à l'ancienne. Moi, quand j'ai démarré dans le métier, on nous recommandait de prendre tout et ensuite de faire visiter au moins 3 biens
dont un bien qui était largement surestimé, qui correspondait exactement à ce que les gens souhaitaient, mais surestimé, de telle manière que les clients, en fait, une fois qu'ils avaient fait le choix des trois biens, pouvaient prendre leur décision comme ils avaient visité assez de références dans leur secteur, dans le secteur et dans le budget, pour se faire une idée des biens, et du coup, ils choisissaient celui qui était au bon prix. C'était notre méthode à l'époque, hein. C'était des méthodes on nous formait là-dessus, de manière à pouvoir vendre rapidement. D'accord. Moi, je voulais revenir à une petite chose, c'est tout à l'heure, tu nous as dit qu'effectivement, il fallait faire attention au secteur, il ne fallait pas travailler sur un secteur trop étendu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, si vous travaillez dans un secteur qui n'est pas étendu, vous allez avoir du coup plein de références dans ce secteur-là. Et du coup, le jour où vous avez l'estimation à faire sur un bien qui est dans ce secteur, forcément, vous avez beaucoup de références et donc vous allez pouvoir leur donner des bonnes comparaisons parce que ce sont des biens que vous avez visités, que vous avez pris en photo, que vous avez vendus ou en tout cas, vous connaissez exactement le prix dans lequel c'est vendu le bien. Et du coup, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'intérêt à travailler dans un secteur qui est faible. On parle, nous, en région parisienne, on parle entre 2000 et 2500 boîtes aux lettres. Alors, à la campagne, c'est peut-être un petit peu différent. Mais clairement, à partir du moment où on travaille dans un secteur faible, on arrive comme ça à devenir vraiment l'expert local. Et ce mot expert local, il est vraiment vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, on est vraiment expert local. C'est-à-dire qu'on connaît tout ce qui se vend dans ce secteur. C'est ça. Vu, connu, reconnu, incontournable. Et c'est vrai que, je voulais le dire tout à l'heure, j'ai oublié, 1000 boîtes à lettres. C'est un peu plus. C'est toujours à adapter en fonction des secteurs, bien entendu. Mais en théorie, moi, il y a quelqu'un qui a mis Monsieur Vogt dans le chat, je ne sais pas qui c'est, avec un coup de poing. Il y a quelqu'un qui veut me mettre une droite. Non, je pense que ça veut dire... Oui, je rigole. Ouais, moi, je conseille, quand on fait sa zone de chalandise et qu'on fait son étude de marché, c'est de travailler sur à peu près 10-12 000 boîtes aux lettres, 10-12 000 habitants pour 3-4 000 boîtes aux lettres, en moyenne. Et ce chiffre est à adapter en fonction de la concurrence, parce que si sur, alors, comme j'en ai beaucoup au téléphone en ce moment, vous étiez, par exemple, c'est pour ça qu'en plus, la zone de chalandise, elle n'est pas fixée, elle n'est pas figée, la zone de chalandise. La zone de chalandise, elle bouge tous les ans, parce que, comme je l'entends souvent au téléphone en ce moment, des agents qui me disent « Ouais, il y a 4 ans, on était 5 sur une commune de 25 000 habitants, et aujourd'hui, on est 12. » Sauf que le nombre d'habitants, il n'a pas augmenté de manière proportionnelle, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de mandats, surtout en ce moment. Ce qui fait que ça va demander d'élargir sa zone de chalandise en fonction de la concurrence. Si vous avez moins de 3-4 000 boîtes aux lettres, 3 000, c'est déjà pas mal, 3-4 000 en fonction du secteur. Et franchement, tout dépend de beaucoup de choses. Voilà. Et puis aussi, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de déménagements que vous avez. En fait, tout ça, ça équivaut aussi à une préparation de secteur, c'est-à-dire de préparer, de savoir exactement où vous mettez les pieds. Si effectivement, vous avez 5% de déménagement, ça veut dire que sur 1000 boîtes aux lettres, vous allez avoir 50 personnes qui vont partir. Si vous êtes 40 ou 50 à travailler sur ce secteur, ça risque d'être un petit peu limité quand même. Ça risque d'être un peu limité pour vous, les 1000 boîtes aux lettres. Maintenant, si effectivement, vous avez un taux de déménagement qui est plus important, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Mais j'ai envie de vous dire, au départ, commencez par 1000. Voyez ce que ça donne. Faites rue par rue. Contactez toutes les personnes de votre rue si possible, de manière à ce que tout le monde puisse vous connaître. Et au fur et à mesure, vous allez étendre votre zone, de manière à ce que, au fur et à mesure, les gens vont de plus en plus vous connaître. Et là, vous verrez que vous allez travailler de manière efficace. Alors, la prochaine erreur que j'ai notée, c'est le manque de suivi. Et ça, c'est une erreur flagrante qui finalement découle des offres. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on rentre en là trop cher ou qu'il n'y a pas de projet, ou qu'on ne vend pas? Très souvent, dans la majorité des cas, on ne le suit plus au bout d'un moment parce qu'on est découragé. Alors, au début, on le fait, on va appeler une fois le vendeur. Ok, bonjour, qu'est-ce qu'on fait? C'est trop cher, comme je vous l'avais dit. Mais au bout d'un moment, le mandat, on ne le suit plus. Voilà.
Donc, on prend une résiliation. On prend une résiliation et puis c'est un confrère ou particulier qui va le vendre. Donc, le manque de suivi, combien de fois, ben ça doit t'arriver souvent aussi, Alex, combien de fois tu entends les vendeurs dire « Ouais, j'ai fait un mandat il y a 6 mois avec X, je n'ai jamais eu de nouvelles. » Ça aussi, c'est une faute professionnelle. Le vendeur, il vous fait confiance. Il mandate un professionnel, il confie un projet d'une vie parfois, à un mandataire. Quelle image on véhicule si on ne fait pas tout ? D'ailleurs, en plus, c'est même juridique, hein, on a une obligation de moyens. Quel professionnel on est si on ne fait pas tout pour suivre et accompagner nos vendeurs ? Le mandataire immobilier, c'est un travail d'accompagnement avant tout. Et très peu le font de manière efficace. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est quand vous prenez le mandat, c'est tout de suite de fixer les rendez-vous de suivi directement sur votre agenda. Exactement. C'est-à-dire que vous savez que vous avez pris le mandat le 10 novembre ou le 10 décembre, ben vous savez que vous avez au moins un minimum, c'est un rendez-vous de suivi par mois et ce n'est pas beaucoup parce que bon, après, bien évidemment, il y a les visites, etc. qui vont. Donc, bien évidemment, il y a un suivi après chaque visite, mais en tout cas, un rendez-vous de suivi, vous les notez sur votre agenda. Comme ça, vous ne pouvez pas oublier. C'est ça. Hein. Hors visite, le premier mois, c'est au moins 2 contacts. C'est un contact 7 jours après pour faire un petit reporting. Déjà 7 jours après, au téléphone, ça suffit. Mm. Et 1-3 semaines après, grand max. Mais là, c'est en physique. C'est en physique, on fait le point de ce qui s'est passé tous les mois, effectivement. Et s'il faut, c'est comme ça aussi qu'on amorce les baisses de prix. On dit souvent qu'il faut 7 points de contact pour commencer à activer la confiance avec une personne. Ouais. Donc, réfléchissez à ça et dites-vous que à partir du moment où vous avez fait une estimation, à partir du moment où vous avez rentré un mandat, dites-vous dans les 15 jours qui suivent, essayez d'avoir au moins 7 points de contact avec eux, que ce soit par mail, par téléphone, par SMS, par WhatsApp. Essayez de les contacter rapidement de manière à ce qu'ils ne vous oublient pas, surtout si vous êtes en mandat simple et qu'ils ont 4 ou 5 autres agences derrière à s'occuper et des négociateurs et le particulier et compagnie. Essayez d'avoir un minimum de 7 points de contact très rapidement avec eux. Ouais, c'est clair, c'est comme ça qu'on gagne la confiance. J'avais une petite question à John, c'était comment gérer une zone balnéaire avec plus de secondaires que de principales. Eh oui, du coup, effectivement, les gens ne sont pas là toute l'année, du coup, il y a certainement moins de projets. Alors, très souvent, dans les zones balnéaires, la partie vraiment résidence secondaire, c'est vraiment la première ligne. Mais systématiquement, en seconde ligne, il y a les résidences principales. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est d'étudier le marché en fonction de savoir s'il y a vraiment une offre, hein, une offre sur le secondaire. Alors ça, c'est un marché de niche. C'est ça qui est fantastique aussi avec l'immobilier, c'est qu'il n'y a pas un marché d'immobilier, il y en a je ne sais pas combien, parce qu'effectivement, il y en a qui peuvent se spécialiser dans la niche des résidences secondaires. Bon, moi, pour moi, je ne pense pas que ça soit assez. Je ne suis pas un spécialiste, mais... J'en ai eu pas mal les mandataires au téléphone qui sont sur la côte et le secondaire, ça, généralement, ça ne suffit pas pour travailler. Donc, ils vont forcément en seconde ligne. Donc, en fait, c'est un mix des deux, en fait. Moi, je pense qu'il faut faire un mix des deux, mais avec quand même une préférence pour le marché annuel, quoi, le marché qui tourne tous les ans, les résidences principales. Moi, je ferais un truc du genre 75% de résidences principales. Et éventuellement, après, encore une fois, c'est adapté. Mais je pense qu'il y a quand même toujours plus de marché en règle générale sur les RP que sur les balnéaires, en fait. Mais après, peut-être que je me trompe en fonction des secteurs. Ça demande vraiment d'être attentif à l'offre, d'aller consulter les bases sur ce qui se vend, donc toujours les mêmes, hein, DVF, les DIA des communes, la pige, pour savoir vraiment ce qui se passe. Et comparer, en fait, il faut comparer et ça va dégager une tendance, le fait de... Parce que quand on fait sa zone de chalandise, quand on fait son prévisionnel, enfin son... j'ai oublié le mot. Quand on fait son... business plan. Pardon ? Son business plan ? Ouais, pas le business plan, mais tu sais, son étude de marché. Voilà. Ouais.
Bah, tu passes par ces bases de données, comme par exemple la base des VF pour savoir ce qui s'est vendu, comme par exemple les DIA des mairies, la pige, tu regardes ce qui se passe, et obligatoirement, il va se dégager une tendance, en fait. Et avec la tendance, eh bien, il faut essayer de se concentrer sur ce qui fonctionne, encore une fois. Là, j'appliquerai la fameuse loi de Pareto, tu sais, la fameuse loi des 80-20. Je me concentre, 80. parce qu'on sait très bien que, on sait très bien que 20%, on sait très bien que plus de 80% de notre chiffre d'affaires est généré par 20% de tout ce que l'on va pouvoir entreprendre, finalement. Donc, je me concentrerai sur ce qui fonctionne, en réalité. Et pour ça, il faut faire une étude de marché. Et tu peux aussi t'inscrire sur des sites. Je sais qu'il y a un site, je crois, qui s'appelle Explorer. Il faudrait juste vérifier le nom, qui s'occupe des Explorer. SCI. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des sites qui ont dans leur base de données toutes les SCI de France. D'accord. Et donc, il y a beaucoup de chances pour que les résidences secondaires soient en SCI. Et donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que, à partir de ce moment-là, ça veut dire que si tu mets une adresse, tu auras toutes les SCI qui seront propriétaires à cette adresse, et tu auras les noms et prénoms et les adresses des résidences secondaires. Enfin, des principales, pardon, des gens qui sont propriétaires. Donc ça, c'est un point qui est très, très important parce que je pense qu'en zone balnéaire, il y a beaucoup de SCI. Après, il ne faut pas oublier la prospection, le boîtage, parce que les gens, ben souvent, ils viennent quand même une fois dans l'année. Et si tu as boîté tous les mois un petit papier, alors c'est sûr qu'ils vont se retrouver avec ça de flyer, mais si tu as ça de flyer, donc ça à toi, à un moment donné, ils vont quand même s'intéresser sur cette personne qui boite beaucoup et qui est très très présente dans le secteur. Et je pense que tu vas marquer des points à ce niveau-là. Ouais, non, il faut s'adapter en fait. Il n'y a pas de réponse, on va dire, générique. Hein. Ça dépend vraiment du secteur, hein, finalement. Donc là, apparemment, la personne nous dit qu'il y a de l'offre hein, en seconde ligne comme en balnéaire. Donc il faut se concentrer sur les deux. Il faut se faire une zone de chalandise, ne pas s'éparpiller, respecter les fondamentaux et aller là où il y a du mandat. Je ne peux pas dire mieux. C'est ça. Ok, on en est à quelle erreur là? Je crois qu'on en a fait 4 ou Ok, 5. 5. Ok, ben on va Donc, passer à la sixième alors. ben ouais, parce que la prochaine, en fait, c'est, j'aurais pu le dire avant, parce que ça va avec l'étude de marché et avec la stratégie de départ, on va dire, mais ça demande toujours de se refaire, hein, ce métier, c'est la cible, en fait. Là, Et le excuse-moi. portefeuille. La cible. D'accord, Et la cible. la cible et le portefeuille. Je sais pas, moi, si tu es acheteur et que tu vois, voilà, sur le portefeuille d'un agent, je sais pas moi, 15 biens et que tu en as 2 à 500 000, 4 à 70 000, 3 apparts, 2 fonds de commerce et 5 terrains. Voilà, allez. Bah, on en revient un peu au secteur. C'est à mon sens trop éparpillé. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'à vouloir plaire à tout le monde, on ne plaît à personne au bout d'un moment. Et je pense que s'il faut travailler sur un secteur restreint, il faut travailler avec un portefeuille cohérent. C'est hyper important à mon sens. Ça va en fait tout simplement, dire à notre marché que on est spécialisé dans une certaine forme de bien, et ça va dire à notre marché que on ne fait pas tout et n'importe quoi en fait, et que on ne crève pas entre guillemets de faim et que on ne rentre pas tout et n'importe quoi. Encore une fois, pour ça, je conseille de se concentrer sur la loi de Pareto des 80-20, puisqu'on sait très bien que 80% de notre chiffre d'affaires seront générés par seulement 20% des biens qui seront sur le marché. Et physiquement, on n'est pas Superman, ça sera impossible de rentrer tous les biens de votre secteur. C'est impossible. Sauf, ou alors il faut embaucher je ne sais pas combien de personnes, et encore. Il y a des agences qui sont à 5 ou 6 et qui ne font pas mieux que quelqu'un qui sont 2. Le fait de ne pas rentrer tout le monde et de choisir finalement ce qu'on rentre quand on a de l'expérience et de se spécialiser sur une certaine niche va permettre de donner de la cohérence à notre marché, va permettre d'avoir des comparables et finalement d'optimiser grandement notre chiffre d'affaires. Voilà. Ça, c'est important à mon sens. Par exemple, moi, avant, quand je bossais, je rentrais que des maisons. Alors, principalement des maisons contemporaines et des maisons en pierre, parce que je savais qu'en haute gérance, c'est ce qui fonctionnait. Des maisons aussi traditionnelles, un peu moins, et c'est tout. Tout le reste, je ne rentrais pas. Je ne faisais pas de terrain, je ne faisais pas de fonds de commerce, je ne faisais pas de neuf. Je faisais aussi des apparts en copro, mais très peu, parce qu'en réalité, ça ne marchait pas trop. Mais voilà.
Et le fait de véhiculer cette image-là et de le dire, surtout sur nos supports de communication, on va s'adresser à une cible. Je ne sais pas, moi, tu es vendeur d'une maison contemporaine, par exemple. Tu vois un flyer, tu reçois deux flyers dans la journée, parce que ça arrive, voire plus. Deux flyers d'agents, deux flyers de professionnels différents. Tu en as un, c'est voilà, agence X, on est les meilleurs, avis de valeur gratuit, comme c'est la plupart du temps. On vend votre bien, on est les meilleurs, avis de valeur gratuit. Et tu en as un deuxième, ça va être, par exemple, vous vendez une maison, vous vendez une maison contemporaine, par exemple, voilà, je viens ce qui me passe à l'esprit. Vous vendez un bien contemporain, contactez votre spécialiste. Voilà. Tout de suite, en fait, tu t'adresses à un marché, tu t'adresses à des personnes, en fait. Et ces personnes-là, en fait, elles reçoivent le message. Le message est un peu plus personnalisé, en fait. Le fait de se spécialiser, on personnalise notre message et on s'adresse à une catégorie de personnes. Et ça fera beaucoup plus mouche à cette catégorie de personnes, finalement, quand elles auront un projet. En fait, on véhicule une image et on véhicule, on le dit, il faut le dire, qu'on ne travaille pas pour tout le monde. En fait. Et tu verras que ce sont les personnes qui viendront te chercher. En fait. Et la plupart, quand tu regardes les portefeuilles, la plupart du temps, ça ne marche pas comme ça. Tout est bon à rentrer, mais pour moi, ce n'est pas un bon pari parce qu'encore une fois, on ne peut pas être éparpillé, on est seul la plupart du temps et on le sait, il faut qu'on soit vendeur, acheteur, compromis, suivi, tous les rendez-vous divers, l'administratif. Donc, le problème, c'est que si on ne se spécialise pas et qu'on s'éparpille, encore une fois, en secteur et en bien, comme ça arrive souvent, bah, tu as énormément de personnes qui arrêtent. Le turnover est grandement lié à ça. Et puis, pour les expérimenter, pour ceux qui font quand même du chiffre, bah, du coup, ils font peut-être 60 000, mais si vraiment ils travaillaient de manière vraiment cohérente et stratégique, ils feraient peut-être 150, je ne sais pas. C'est pour ça que tu as des sociétés, des agences immobilières qui s'appellent Rez-de-chaussée, Terrasse en vue. C'est un exemple. C'est un exemple de stratégie de spécialisation. Ouais. Exactement. Et du coup, le fait de spécialiser fait que les personnes, il y a aussi, je crois, atypique immobilier ou quelque chose comme ça. C'est ça. Ce qui fait qu'effectivement, à partir du moment où tu vas te spécialiser dans un créneau et que, par exemple, atypique, combien de fois il y a des gens qui ont des biens atypiques et tu lui dis, bah, écoutez, c'est atypique comme bien. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que du coup, tous les clients ne sont pas forcément intéressés par ce type de bien. Ben là, tu lui envoies un message comme quoi il faut qu'elle aille voir un spécialiste de l'atypique qui lui gère ce genre de bien et du coup, qui a les acquéreurs spécifiques pour de l'atypique. C'est ça. Donc, c'est intéressant de se spécialiser et c'est, à mon sens, encore une fois, une optimisation du chiffre d'affaires. C'est vrai. J'ai une autre question d'un Facebook user. Ce serait bien que vous puissiez cliquer sur le petit bouton qui est au niveau de la description du Facebook. Comme ça, on pourra savoir qui vous êtes. Ça sera mieux. Ça arrivera directement sur StreamYard. Donc, que pensez-vous des prospectus chez les commerçants type calendrier, sac à pain, carte de visite? Oui, c'est très bien. C'est de la prospection pure et dure. Oui, tout à fait. Alors, le sac à pain, moi, pour moi, c'est génial. Les cartes de visite, les flyers chez les commerçants, il y a de grandes chances qu'une fois que vous ayez le dos tourné, que ça ne reste pas trop, trop longtemps quand même dans son commerce. Donc, privilégiez quand même les vrais contacts étroits avec ces commerçants. Privilégiez les commerçants chez qui vous allez chercher le pain, chez qui vous allez faire vos courses, chez qui vous allez acheter des vêtements, etc. Parce que eux, forcément, vous n'aurez pas le même contact avec eux que si vous allez dans n'importe quel commerçant de la ville que vous ne connaissez pas, que vous laissez, je peux vous laisser quelques flyers, oui, allez-y, posez-les là. Et puis, au bout de 3 jours, peut-être, quand il va faire son ménage, les flyers, ils vont tous aller à la poubelle. C'est ça. Donc, effectivement, c'est de la prospection pure et dure. Hein. Après, là, t'es dans le réseautage, t'es vraiment dans le relationnel. Quoi. Exactement. On va passer à la dernière erreur, c'est ça? On en a fait 7? Eh bien, ouais. Déjà, ça passe vite. Hein. Ouais, mais ça fait 55 minutes qu'on est ensemble. Et ouais, c'est intéressant. Alors, du coup, la dernière erreur que je constate très souvent, alors c'est plus les débutants qui la font, celle-là, c'est de se focaliser sur les acheteurs. Encore une fois,
Un mandataire immobilier, dans la grande majorité des cas, ce qui fait vivre le mandataire, ce qui fait manger le mandataire, c'est le mandat de vente. Tu fais une vente qui capote, qu'est-ce qui reste? Le vendeur. Le vrai projet, c'est le vendeur. L'acheteur, il vous dit oui, demain, il vous dit non. Le vendeur, son projet, bon, ça arrive aussi chez les vendeurs, mais c'est moins souvent quand même, beaucoup moins souvent. Le vendeur, c'est du concret. L'acheteur, c'est rarement du concret. Parce que l'acheteur visite, c'est normal. Hein, vu l'investissement que c'est tout à fait normal que l'acheteur ait besoin de comparer et qu'il ait besoin de prendre son temps. Sauf que nous, on n'est pas là pour perdre du temps, on est là pour vendre. Donc, du coup, quand un acheteur, il vous dit « moi, je veux visiter, oui, mais moi, je veux vendre. » Donc, on n'a pas la même phase, on n'a pas le même langage. Donc, du coup, qu'est-ce que j'entends très souvent? Alors, c'est normal, les débutants, ils n'ont souvent pas de mandat. Mais même je le vois, même chez les expérimentés, ils passent plus de temps avec les acheteurs, à les trimballer, à aller faire des mandats de recherche pour aller chercher des biens. Alors, oui, ponctuellement, mais pas dans la majorité des cas. Ça ne doit pas excéder 15% de l'activité, 15-20% de l'activité. Sauf dans des rares cas particuliers où on fait du chasseur de biens, pourquoi pas. Mais là, c'est encore une fois, c'est une spécialisation finalement. Mais sinon, dans la grande majorité des cas, ce qui fait vivre le mandataire, c'est le mandat de vente. C'est pas le mandat de recherche. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut passer au moins sur l'ensemble de l'activité, au moins 80% de son temps avec les vendeurs. Voilà. Parce qu'encore une fois, le projet, c'est le vendeur. Le client, c'est le vendeur. L'acheteur, il sera client quand il aura signé un compromis de vente. Avant, c'est qu'un prospect. Au même titre que le vendeur qui aura signé un mandat, avant, ça reste un prospect. On ne sait pas si on va travailler ensemble. Une fois que le mandat est signé, on va travailler ensemble. Avant, on ne sait pas. Et l'acheteur, c'est pareil. Vous signez un bon de visite, on ne sait pas si on va travailler ensemble. On travaillera ensemble quand vous aurez signé le compromis de vente. Donc, c'est pour ça que je défends, quand j'étais sur le terrain, je défendais toujours, le vendeur avant l'acheteur. Mais après, encore une fois, c'est mon avis. Alors, quand on est débutant, les acheteurs, c'est aussi l'entraînement, un entretien, une nouvelle chance. Oui, bien sûr, évidemment, quand on est débutant, au même titre que rentrer tout ce qui bouge au début, on passe du temps, on se cherche. C'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Mais après, dans la suite, une fois qu'on a expérimenté, qu'on sait de quoi on parle, pour moi, la priorité, c'est le vendeur. Voilà. Écoute, moi, je suis d'accord avec toi par rapport au vendeur. Il y a juste une petite chose que je rajouterais, c'est que faites attention à vos acheteurs, parce que comme le dit Olivier Hamou, les acheteurs, pour 57% d'entre eux, sont des propriétaires en puissance, et que à partir du moment où vous occupez bien de ces acheteurs, derrière, le jour où ils mettront leurs biens en vente, ils sauront que vous occupez bien des acheteurs, et ils penseront peut-être à vous, même si c'est pas vous qui leur avez trouvé un bien. Donc il faut bien s'occuper des acheteurs, bien évidemment. Le mandat de vente reste le mandat à prendre, et ne travaillez pas qu'avec des mandats de recherche, parce que un mandat de recherche, ça reste compliqué. Et surtout en ce moment, les intercabinets entre agences, entre mandataires agences et même entre agences, c'est compliqué. Donc, ce qui veut dire qu'au final, si vous signez un mandat exclusif de recherche, chose que je ne crois même pas que ça existe réellement, mais bon, voilà, imaginez qu'elle vous donne vraiment l'exclusivité sur sa recherche. Ben vous risquez quand même de la bloquer sur certains biens qui pourraient rentrer par vos collègues et qui ne veulent pas vous partager. Et c'est un peu le problème en fait aujourd'hui de ce métier, c'est qu'en fait on n'est pas au Canada, on n'est pas aux États-Unis où on a un marché commun qui est juste énorme. Ici, chaque agence, chaque mandataire travaille pour ses propres biens, et donc il a la faculté ou non de les partager. Et la plupart du temps, malheureusement, les partages ne se font pas aussi facilement que ça. Ah ben, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Olivier dans le chat par rapport à, pour en revenir à l'acheteur, et ça rejoint un petit peu ce que je disais pour éviter de perdre du temps. C'est la fameuse découverte. J'aurais pu la mettre en erreur, celle-là. Oh là là, celle-là aussi. La fameuse découverte acheteur. Combien de fois j'entends des. J'ai dit, bon, allez, on fait une simulation de découverte acheteur. Oui, bonjour, j'appelle pour le bien.
Et en 2 minutes, le rendez-vous est fixé. Alors qu'ils ne savent même pas à qui ils ont affaire. Là, encore une fois, on est aussi dans le fait de défendre le vendeur. Mais la découverte acheteur, c'est hyper important. À la fin, moi, sur 15 appels, je devais sortir 4 personnes. Et encore, je ne suis même pas sûr. Par contre, une fois sur 3, je vendais. Parce que je savais tout. J'avais essoré le vendeur, j'avais essoré l'acheteur, pardon. Et je savais tout sur lui, tout. Et je mettais les pieds dans le plat, sur le financement, sur tout, à 100%. Déjà, à la fin, j'envoyais une fiche par mail. Il y avait déjà minimum 2 contacts pour que je le sorte. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, le marché était un peu moins tendu, donc ça demande à s'adapter. Mais quand même, en exclu, c'était sûr. En moins 5, ça dépendait. Ça dépend, il ne faut pas non plus qu'un concurrent passe devant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans 99% des cas, j'envoyais une fiche découverte. La personne ne me remplissait pas la fiche, elle ne me la renvoyait pas par mail, on n'allait pas plus loin. Parce que on le sait, 95% des acheteurs qui vous appellent n'achèteront pas. Ou alors, ils achèteront dans 6 mois, 1 an, ils n'ont pas de projet, ou ils achèteront ailleurs, ou un jour, ou ils n'ont pas de financement. Enfin, donc, effectivement, les acheteurs, ça demande à les classer en fonction du degré d'urgence et de la fiabilité du projet. Moi, j'avais fait classe 1, classe 2 jusqu'à 5, qui finalement n'étaient pas acheteurs. Et je sortais que les classes 1, en fait. Et encore une fois, tu es dans le 80-20, parce que... Et à mon avis, là, tu es plutôt dans le 95-5, tu vois. Parce que 95% des gens qui t'appellent, ils n'achèteront pas. Donc moi, je me concentrais sur les 5% qui marchaient en réalité. D'ailleurs... Olivier, tu es en train de dire que je ne suis pas d'accord sur le classement des acquéreurs. Ah ouais? Moi, je l'ai classé. Il a pas tort dans le sens où, effectivement, j'aime pas trop le mot classement parce qu'on peut vite se faire des idées sur des gens qui ne sont pas les bonnes. C'est pas les bonnes idées. On peut aussi penser qu'un acquéreur n'est pas le bon. Mais malheureusement, c'en est un. Ah, ça peut. Moi, j'ai sorti beaucoup d'acquéreurs que je sentais pas et pourtant, ce sont des acquéreurs qu'on a achetés. Donc, clairement, c'est un petit peu difficile par rapport au classement pour moi. Après, encore une fois, hein, chacun sa carte du monde. Chacun fait comme il le souhaite. Et on est là pour écouter John aujourd'hui et prendre ses conseils. Et non, effectivement, en fonction des secteurs aussi, en fonction des secteurs, on travaille différemment suivant les secteurs. Bien sûr. C'est sûr que, par exemple, à Paris, quand vous avez un bien et que vous avez 50 appels dans la matinée, c'est sûr que vous avez la possibilité de faire le difficile. Quand vous êtes à la campagne et que vous avez un appel dans la semaine, vous n'avez pas la possibilité de faire le difficile. Voilà. Donc, clairement, tout dépend finalement du marché. Il faut s'adapter. Là, on donne des règles générales. Mais dans la majorité des cas, quand même, évidemment, ça sera nuancé à la hausse ou à la baisse. Mais l'idée générale reste quand même pour moi la même. Mais après, c'est bien sûr à adapter. D'ailleurs, à la fin... Tu te rappelles, j'en avais parlé quand j'avais fait le truc sur system.io. Moi, je m'étais fait des listes d'acheteurs. Je balançais la fiche et ceux qui étaient intéressés me rappelaient et ceux qui n'étaient pas intéressés ne me rappelaient pas. J'avais une autre façon de faire après avec le numérique. Sûr. Mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que 95% des gens qui appellent n'achèteront pas. Ça, c'est sûr. Donc, moi, je me concentrais sur les 5% qui marchaient finalement. OK. On a eu un merci pensé à la campagne. C'est ça, exactement. Effectivement, comme tu le disais, j'ai dû en perdre, hein. Mais je pense que même en perdant certains acheteurs que j'ai peut-être mal qualifiés, c'est possible, je pense que j'ai quand même mieux optimisé mon chiffre que si j'avais sorti tout le monde, tu sais, que je n'avais pas fait de découverte, comme bien ça sûr, arrive souvent. Bien sûr. C'est, de toute façon, chacun est libre de ses propres décisions et de ses propres choix. Après, effectivement, en fonction d'un secteur, en fonction de beaucoup de choses, on va définir finalement ce qui est préférable pour nous, sachant qu'on a aussi nos acquéreurs en fichier, qu'on a déjà en fichier. Quand on rentre un bien, la première des choses qu'on fait, c'est de proposer un off-market avec ses clients en fichier. Et quelquefois, et même rapidement, souvent, la vente, elle se fait déjà avec ses propres clients qui sont en fichier, qui sont du suivi. Ouais.
du suivi, et qu'on connaît parfaitement. Donc, le jour où on sait que cet appartement ou cette maison, elle correspond exactement à M. Robert qui recherche exactement ça et qui, lui, a un appartement qui se vendra très facilement derrière, ben on sait tout de suite qui est appelé. Et donc, ça va très vite. Mm-hmm. Le suivi acheteur, même si, à mon sens, il doit quand même être moins poussé que le suivi vendeur, mais il faut quand même faire un suivi acheteur. Moi, je suis... Mais en fonction du fameux classement... Ben, un classe 1, c'est le chiffre du mois, donc tu vas pas le suivre qu'un classe 4, par exemple, que tu veux rappeler une fois et tous les 3 ou 4 mois. Oui, je comprends. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était cool. Ça y est, on a tout fait. Alors, on a fait les 7, je les ai pas notés, hein, donc je suis alors, pas. La préparation, le secteur éparpillé, se focaliser sur les acheteurs, vouloir rentrer du mandat à tout prix, rentrer un mandat trop cher, le manque de suivi et trop se diversifier au niveau de la cible. Ce sont les 7 pour moi que j'ai pu constater et qui sont vraiment un frein au chiffre d'affaires. Ok. Moi, j'en aurais une autre, c'est ne pas vous former. Voilà. C'est ne pas vous former parce que bah, John, il est formateur aujourd'hui chez Expertimo. Moi, je suis formateur également. Et sachez que clairement, aujourd'hui, vous devez continuer à vous former. Comme John continue sûrement à se former, comme moi, je continue à me former. Tous les jours. Parce qu'il faut, il faut de toute façon apprendre de nouvelles choses. Il faut apprendre de nouvelles stratégies. Il faut apprendre de nouvelles techniques. On apprend par nos erreurs, bien évidemment, mais il faut continuer à se former. Et ça, c'est important. Merci. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe aussi Secret Pige. C'est pour continuer à se former, continuer à avoir les tendances du marché et continuer à vraiment parler avec des gens qui sont vraiment encore sur le marché immobilier. C'est important. Je crois, oui. Bah, la formation, j'aurais pu en faire une erreur, parce que le problème, c'est que énormément d'agents ne comprennent pas l'importance d'investir en eux-mêmes, en fait. Beaucoup considèrent ça comme une perte de temps, sauf qu'en réalité, c'est une optimisation du chiffre d'affaires, puisque on va démarrer plus vite, on va... tout le temps entretenir ses connaissances, on sera plus crédible en rendez-vous vendeur. Enfin, c'est la formation. Un mandataire immobilier, il doit consommer tous les jours au moins un quart d'heure à une heure de formation. Que ça soit une vidéo, un article de blog, un bout de vidéo, ce que tu veux, un e-book, 4 pages d'un bouquin. Un mandataire immobilier, il doit se former tous les jours. Parce que de toute façon, notre métier évolue tout le temps. Donc, j'ai une astuce éventuelle, c'est dites-vous le soir quand vous vous couchez, au moment où vous couchez, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau aujourd'hui dans ma journée? Qu'est-ce que j'ai appris de nouveau aujourd'hui par rapport à hier? Et vous verrez que ben, si vous faites cet exercice, vous verrez que rapidement, vous allez vous apercevoir que vous n'avez rien appris de nouveau le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et qu'à un moment donné, vous allez vous dire « Mais il faut que j'y aille, vraiment, il faut que j'apprenne parce que je n'apprends plus rien. » On pense qu'aujourd'hui, à la fin de l'école, c'est terminé, on est tranquille, les devoirs, la formation, ça y est, c'est terminé. Eh bien non, au moment où on arrête, c'est là où ça commence. C'est là où ça commence. Parce que le problème, c'est que si on passe, bon, une journée, on exagère un peu, mais pas tant que ça, mais si on passe du temps sans apprendre, comme tu le dis, ben, en fait, on régresse. Parce que pendant ce temps-là, les connaissances, elles évoluent, les techniques évoluent, les jurisprudences évoluent, le numérique évolue. Et si nous, on est là, eh ben, hop, les connaissances, elles ont besoin, et nous, on régresse. Donc, exactement. Ce qu'il faut, c'est augmenter en même temps que les connaissances. Il ne faut pas se faire distancer par la connaissance. Sinon, on régresse. Et évidemment, les résultats s'en feront rapidement sentir. Super. Merci beaucoup, John. Avec plaisir. Merci à tous. J'étais très heureux de présenter encore cette interview avec toi parce que c'était encore beaucoup, beaucoup de valeur. Merci d'être encore présent pour cette émission. À très vite pour une prochaine. Reste en ligne, John. On se voit tout de suite en off. Et moi, je vous dis à très bientôt à tous. Bye bye. Salut tout le monde.
I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you.